Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Il est tard, hein, il est midi. Ouais, 11h55. Attendez, je regarde en gros. Ouais, voilà, 11h55. Je viens de finir de tourner cette vidéo que vous aurez, vous, demain pour vous, je crois. Je suis à mon petit café, faut que je range mon bordel, parce que comme d'hab, quand je fais une vidéo, il y en a partout. Alors, pour vous raconter mon petit week-end, je prends mon carnet parce que je note, sinon j'oublie. Moi, je vous ai laissé le samedi avec les filles dans le précédent vlog. Voilà, on a encore passé une super journée, enfin journée, c'est quelques heures à chaque fois, parce que comme il y a la route, hein, on a quand même presque 2 heures de route, nous. C'est chiant, voilà, on perd du temps ensemble pour le trajet, mais bon, c'est comme ça. On a reçu un cadeau d'Emmy, je vais vous le montrer un peu mieux, j'ai du rouge à lèvres encore sur la main, je vais l'enlever pour vous le montrer. Elle nous a fait un petit cadeau personnalisé chacune, ça vient de la, c'est Jessica de la chaîne Life Tizia Miel, faut que tu changes de nom, c'est trop dur à dire, qui l'a fait. Donc, je vous mets le lien de sa boutique Instagram en barre d'infos et de sa chaîne aussi, comme ça, vous pouvez aller vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, elle nous a fait un bracelet personnalisé comme ça. Et regardez ce qu'il écrit dessus. J'adore. Je suis trop fan. Mami Queen. Alors, moi, elle me l'a fait dans les tons kaki et blanc avec des petites pampilles argentées. Voilà. C'est trop beau. Manon a eu un dans les tons roses marqué « La princesse ». Et elle en a eu un, je crois que c'est Jessica qui lui a offert, du coup, dans les tons violets marqué « La gueuse ». Mais j'en pouvais plus. J'étais trop... j'ai éclaté de rire. Ça m'a énormément touchée parce que c'est vraiment des petites attentions comme ça qui font vraiment plaisir. Et voilà. Donc, comme à chaque fois qu'on se voit, on fait de la récup l'une l'autre. Bon, là, j'ai récupéré pas grand-chose de Amy, à Manon un peu plus. Il y a mon Bambi en bas. Il faudra que je vous montrerai dans la semaine, parce que là, monsieur est là, voilà. Donc, chez Amy, déjà, je lui avais racheté sur Vinted le baume à lèvres de chez Huda. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la teinte, c'est celui qu'elle avait eu dans le calendrier de l'avance, Sephora, négligé. Je me le serais pas acheté. J'aurais pas acheté le calendrier juste pour ça non plus, mais... Voilà, et ça me faisait triper, j'avais envie... Vous voyez, c'est juste un baume à lèvres, donc moi, je vais m'en servir juste pour nettoyer mes lèvres. Ah, d'ailleurs, j'ai descendu un autre, il faudra que je tisse celui-là en priorité. Je vais racheter 5 euros, donc je me suis pas ruinée. Je viens de faire tomber quelque chose, je crois. Elle m'a donné sa colle duo qu'elle n'utilise pas, parce que moi, j'ai fini la mienne. Enfin, la mienne, j'ai dû l'acheter. Et voilà, et sa poudre de chez Action à la pêche. Elle avait revendu celle à la coco. Et elle m'a dit, celle-là, la pêche, je n'utilise pas, je te la donnerai. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de quantité dedans que tu n'as pas utilisé, en fait. Cette odeur. Voilà, donc elle est pleine, en fait. Donc, je vais la mettre dans mon backup. Et vous avez vu dans mon dernier vlog que j'ai commandé 2 lots. Donc, à chaque fois, une à la pêche, une à la coco sur Vinted. Donc, je vais avoir du stock, je suis bien contente. Elle m'a également donné un X lingerie XXL, c'est la teinte Pink It, parce qu'elle n'aime pas trop la couleur, donc elle me l'a donné, parce qu'elle m'a dit c'est vraiment un rose Barbie. Moi j'aime bien toutes les couleurs, donc moi je ne le trouve pas si rose Barbie que ça, un peu Barbie, peut-être un peu pouf, mais pas Barbie quoi, tu vois. Il est un peu fuchsia comme ça, j'aime beaucoup. Donc, j'ai testé avec le Unspoked et j'aime bien. Ce n'est pas une tenue extraordinaire. Ils ne remplaceront pas les Jeffree Star ou les Melted. Dommage, parce que c'est moins cher. Manon m'avait pris un backup de du masque et du shampoing. Donc, je ne suis pas en manque de backup, hein, puisque j'en ai racheté 2 en allant chez Action la dernière fois. Donc, voilà. Merci, ma biche. Et elle m'a également donné le spray de chez Essence, comme ça, au café. Parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle n'aime pas l'odeur. En fait, c'est très, très, très sucré. On sent. Ça sent vraiment le macchiato. C'est un spray Body and Mind Wake Up Mist with Caffeine. Donc, je ne l'avais pas acheté. Elle m'a dit, l'achète pas, je te le donnerai. Du coup, je ne l'avais pas acheté. Et je vais pouvoir maintenant l'utiliser quand même. Elle m'a également donné mon calendrier de l'Avent de chez Essence. Voilà, qu'on ouvrira tous les jours pendant les Vlogmas de décembre. Tout simplement.
Et le Bambi, il faudra que je vous montre demain qu'elle m'a acheté chez Action. Mais après, si vous regardez chez... Enfin, si vous suivez les hauls Action et tout ça, vous avez déjà dû le voir passer. Oups, là, boum. Et du coup, comme on a été... et que Nymphe habite pas très loin de chez elle, elle nous a déposé un petit cadeau également. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y avait. C'est des petites bêtises, mais c'est des petites bêtises qui font plaisir. Alors, elle nous avait mis chacune une décoration... Merde, elle est emmêlée. Une décoration de Noël pour le sapin des flocons, là, que, en plus, moi, je les cherchais. Je les cherchais en rose gold. Moi, elle me l'avait mis en gris. Et Amy avait, elle, acheté en gris. Et du coup, ben, on a échangé, puisqu'elle elle lui avait mis en rose gold. Donc, comme ça. Moi, je ne les ai pas trouvés. Ils n'étaient plus dispo dans mon action quand j'ai été faire le reste des décos. Donc, voilà, je suis bien contente. Ça me fait ma petite déco rose gold. Elle nous a mis deux serre-têtes, dont un licorne encore. C'est bien parce que c'est un que je n'ai pas. Avec des petites fleurs mauves. C'est des petites marguerites. Des oreilles argentées. L'autre, il est rose avec des roses. La corne dorée. Là, c'est une corne argentée. Voilà. Genre, je vais assez éclater avec ça. Ah oui, je vais vous montrer. Elle lui a mis deux serre-têtes pour lui aussi. Et elle nous a mis celui-là. Il est trop beau. Je l'adore celui-là. Je l'adore. Voilà, il est trop beau, trop beau, trop beau. Elle nous a mis un petit masque de Noël, comme ça, chacune. Moi, j'ai eu le papa Noël. Je les ai déjà achetés, mais on s'en fout, parce que les masques, on n'en a jamais assez. Ensuite, elle m'a mis une déco. Alors, je vous le montrer après. Elle m'a donné deux palettes. Une déco, comme ça. Donc, je viens de chez Action aussi, avec des papillons en métal blanc. Je trouve ça très, 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 très joli. Et je pense que je le mettrai à la place de celui-là pour le printemps-été. Dans mon fond, il donnera très bien. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle l'a acheté à la base. Maintenant, c'est plus du tout la saison. Puis là, de toute façon, après, je vais changer. Je vais bientôt mettre la déco de Noël une fois que j'aurai fini de tourner mes vidéos de novembre. Mais au printemps-été, il ira là, c'est sûr. J'ai l'impression que mon cadre n'est pas très droit, d'ailleurs, en parlant de cadre. Et j'ai bougé mon serre-tête. Et ensuite, elle m'a offert deux petites palettes pour que je puisse tester la marque, alors qu'ils n'ont jamais été utilisées, hein, de chez Cargo. Alors, je ne connais pas du tout. Ici, c'est un petit quad... avec des couleurs peps. Enfin, peps, il y a un blanc. L'autre, elle dit peps. Enfin, même pas, c'est un beige, un bleu, un mauve, un vert d'eau. Donc, c'est très joli. La quantité, elle est énorme, par contre. Je ne sais pas s'ils disent 4 fois 3 grammes. Donc, ça peut être sympa pour utiliser, par exemple, des blushs, faire du contouring pour les make-up artistiques, vu que c'était gros panne. Et celle-ci, alors, je ne connais pas du tout la marque. Hein. Elle m'a dit, c'est une marque US, qui était vendue à un moment chez Sephora, sauf la grande palette qui vient directement des États-Unis puisqu'elle n'était pas sortie ici. C'est la teinte Los Angeles, celle-ci. Et regardez-moi cette beauté. My God, c'est de la beauté. Et regardez l'intérieur, c'est de la beauté aussi. Hein. Alors, c'est marqué lumière dans tout le... à l'intérieur. C'est bien parce qu'il se plie. Et regardez-moi la chose. Ouh, au centre, vous avez un gros bronzer blush. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il y a deux teintes mates seulement. Il y a le beige ici, camel très clair. Il y a un blanc. J'utilise que très rarement des blancs. Tout le reste, c'est du satiné, voire du pailleté. Ici, c'est un marron mat avec des paillettes dorées. Il a l'air juste sublime. Après, vous pouvez très bien utiliser le bronzer ici pour le creux ou des choses comme ça. Et donc, on se fera, pas la semaine qui vient, puisque les vidéos sont déjà tournées, mais la semaine d'après, on testera ça, ou en janvier. Non, je crois que j'ai peine plus de place pour la mettre. Mais on se fera une vidéo dédiée à cette marque-là, dès que je peux, si c'est pas courant du mois de novembre, ça sera pas en décembre, ça c'est sûr. Si c'est pas courant du mois de novembre, ça sera début janvier, parce que j'ai très envie de tester. Voilà pour ça. Donc, Nymphe, merci bien pour ce petit cadeau. C'est vraiment adorable et ça me permet de faire des découvertes, encore une fois, une marque que je ne connais absolument pas. J'ai mon gros swatch qui traîne. Du coup, le samedi soir, quand je suis rentrée, j'ai filmé le reste de mon haul, la partie Maki Beauty, et ensuite j'ai filmé le déballage du swap que vous n'aurez que le 1er décembre. Ce qui veut dire aussi, alors si vous râlez parce que vous devez attendre pour voir le swap le 1er décembre, n'oubliez pas que moi je vais devoir attendre le mois de décembre pour pouvoir tester tout ce que j'ai eu dedans, hein. Voilà, donc imaginez la dépression de mamie déjà.
Et du coup, comme Émile a tourné, à peine on était parti, elle a été plus vite que nous. Le soir, on a regardé, on fait toujours ça en fait quand on se fait des swaps, en preview. Voilà, on fait pas de montage, rien, on transfère juste les vidéos sur YouTube en privé pour qu'on puisse regarder le déballage l'une de l'autre, savoir si ça a plu et tout ça, les réactions et compagnie. Donc on a regardé celui d'Émile le soir, toutes les trois en discutant en même temps, et voilà, c'était trop chouette. Et après j'ai rangé aussi tout mon bordel du soir. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai modifié un peu ma déco, j'ai épuré un peu ici, et du coup j'ai mis, vous avez un petit spoil, la brosse Stitch, là, qui vient d'un des swaps, je ne vous dis pas lequel, une photo de nous trois, et ici dans ma petite loupiote, je ne sais pas si on le voit, d'ailleurs je verrai ça au montage, il y a une petite cuillère avec une tête de cerf au-dessus. Voilà, c'est tout simple. Le dimanche, du coup, comme on avait fini de filmer avec Manon, on a fait pareil, on a transféré nos vidéos sur YouTube et on a regardé le déballage de Manon et le mien. Donc, on a passé toute la matinée ensemble. Après, j'ai eu mal la tête, par contre. Donc, j'ai dormi un peu, puis j'ai fait principalement du montage, j'ai joué un peu et j'ai fait une commande Révolution. Comme c'est étonnant. Mais il y avait une promo sur les crayons que je voulais. J'ai commandé les Bratz, parce que c'est des teintes que j'ai pas. Et j'aime beaucoup les crayons en kit, comme ça, chez Révolution. Et le Creator, parce qu'il y a un rouge dedans. Et j'avais pas de rouge encore. J'en cherchais un, en plus. Donc, je me suis dit, c'est le moment. Ils étaient en promo à 9 euros à la place de 12 ou 13, je sais plus. Et j'ai repris, du coup, j'en ai profité pour prendre 3 fonds de teint poudre et 3 bases à paupières. Voilà, mon petit backup. Voilà, c'était mon petit week-end qui était mouvementé, mais qui... On a encore le week-end puisqu'on est le lundi 1er novembre, donc c'est férié. Mais j'ai passé un bon week-end, sauf le mal de tête hier, mais sinon ça va, après c'est passé. Donc là, vous avez encore eu, la semaine qui vient de passer, vous avez eu toute une semaine de vidéos. Vous avez encore toute une semaine de vidéos la semaine prochaine. Et après, on va calmer un peu le jeu pendant une ou deux semaines, là, avant de passer au calendrier de l'Avent. Puisqu'il faut que je prépare, il faut que je fasse la déco, que je commence à préparer mes vidéos et tout ça, tout ça. Donc tout ça, de toute façon, la déco, on fera comme l'année dernière, on fera en live ensemble. Je ne mettrai pas Pingu Jésus. Ne me demandez pas après Pingu Jésus. Il n'ira pas dans mon fond. Je vais le faire un peu plus chaud cette année. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour ce premier jour de vlog. Je vais aller manger. Je vais ranger mon bordel d'abord. Préparer ma vidéo de demain. Demain, je tourne la Queen des États-Unis. Voilà. En tout cas, merci pour vos retours sous les vidéos des Halloween. J'étais vraiment ravie. Elles viennent de se finir pour moi. Ça vous a beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu de les faire aussi. Donc voilà, là je vais commencer à réfléchir aux idées pour l'année prochaine. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire, sauf comme j'ai dit sur Insta, pas de SFX. Voilà, je laisse ça à ceux qui savent le faire. Moi je ne suis pas trop dans les SFX, je suis plus artistique que SFX, je vous l'ai déjà dit. Voilà, voilà. Et eh bien écoutez, on peut déjà switcher deux jours. Oh, la jolie tête de folle du matin. Enfin, du matin. Il est 9h17 et je suis réveillée depuis 6h. Georges n'a pas école et je suis réveillée depuis 6h. Je m'exaspère moi-même. Donc, hier, j'ai oublié de vous montrer mes ongles. Oh là là! Donc, j'ai refait du 4-size. Mais je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous allez voir l'effet. J'ai pompé ça encore sur... le compte Insta que j'adore pour les effets 4 size. Voilà. Enfin bref, là je les ai fait en rouge. J'aime beaucoup le rendu. Sinon, bah, j'ai fait mes couettes, enfin mes tresses pour dormir, pour filmer ma vidéo, puisque normalement je vais tourner la Queen des USA, sauf si mon colis Clifton arrive. Mais ça ne bouge pas. Donc là j'actualise le suivi depuis ce matin, 6h, c'est marqué procédure d'importation, pas de frais supplémentaires. Mais je pensais vraiment l'avoir aujourd'hui et ça n'a pas l'air. Donc écoutez, je verrai bien, je vais attendre le facteur de toute façon pour les filmer. Le chien se lève, enfin les chiens se lèvent. Donc je vais devoir aller leur ouvrir parce qu'ils m'entendent parler, donc ils viennent voir ce qui se passe. Bien sûr, vous entendez le poil et le chien qui me défonce la porte.
Il m'énerve. Lille ouais, c'est chaleur, alors c'est extrêmement chiant. Il faut que je lave mes pinceaux. Donc ce matin, j'ai déjà pas arrêté. J'ai changé un peu ma déco à droite à gauche. Il faut que je fasse mon meuble là, pour le Bambi. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous spoiler un petit peu les goodies du swap. Déjà celui-ci, de la part d'Emmy. Voilà. Ouh, c'était tout net. Il est trop beau. Donc vous allez beaucoup le voir. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai mis ici au-dessus de mon ordinateur. Voilà, donc j'ai mis les photos de nous trois que Emmy a imprimées. Ça, c'est un cadeau de Manon avec le petit porte-clés rebelle. On a chacune la note. Et ça, c'est le cadeau de Naf que je vous ai montré au début du vlog. Donc voilà, attendez, j'essaie de dézoomer un peu. Voilà ce que ça donne au-dessus de mon PC et tout. C'est trop mignon. Vous avez ici également, vous avez vu, j'ai fait un effort, j'ai mis la couverture sur le... C'est aussi un goodies à part de Manon, c'est un coussin, enfin une housse de coussin avec des Bambi. Et je vais faire rentrer le chien et je vous montre l'autre Bambi qu'elle a été me chercher chez Action, mais que je lui ai payé, hein, mais c'est parce que moi, il était plus dans le mien. Donc elle a vite été me le chercher et je suis bien contente, je vais vous montrer tout fouet. Donc voilà la bête. Il est magnifique, splendide, il est énorme. Énorme. Franchement, il y a le même en plus petit. Enfin, moi, il n'y est plus. J'aimerais bien le trouver pour mettre dans mon fond vidéo. Mais voilà, il est trop... Et dessus, vous avez un écureuil, un renard, un lapin et un petit hibou. Je sais pas si vous voyez bien. Mais j'adore mon petit Bambi. Enfin, mon gros Bambi. Il est énorme. Il est canon, magnifique. Et franchement, pour 10 euros, top ici. Le chien va m'énerver toute la journée encore. Lilou a ses chaleurs. Hein. Je sais pas si je vous l'ai vu. Donc là, je vais aller laver mes dents et je vais laver mes pinceaux. Et j'attendrai le facteur, je ferai mon teint entre-temps. Dans la semaine, on va faire les soins au café. Il n'y a que le spray que j'ai pas encore testé, mais j'ai testé le gommage et le gommage lèvres et le contour des yeux. Et on fera les patchs Pépé Yoda aussi, coucou. Voilà. Hier, j'ai été à la douche et je me suis lavé les cheveux avec le shampoing, la citrouille, au pumpkin de Action. Et le soir, Queenie, j'étais là dans le canapé, justement, là, et elle n'arrêtait pas. Elle était au-dessus et elle me mordait, mais elle me faisait mal, hein. Elle me mordait à la racine des cheveux, le nez, les oursails. Oh, j'ai pas compris. Les cheveux, je pensais que c'était à cause de l'odeur du shampoing. Mais les oursails et mon nez, je ne les ai pas lavés avec le shampoing. Voilà. Donc, j'ai oublié de brosser mes oursails aujourd'hui. Attendez, on va vite faire ça parce que ça me perturbe. Je vois qu'il y a mon petit trou qui se... Oui, j'ai un trou là, je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne vous raconte pas, mamie, c'est névrose de chenille. Ben là, je suis au bout de ma vie, quoi. Il y a un trou dans mon sourcil. Je me dégarnis des sourcils, les gens. Oh là là, bref, et on fera les patchs aussi, bébé Gougou. Alors, j'ai vu que dans le paquet, je sais pas si je vous l'ai dit, mais dans le paquet des patchs pour les yeux, il y en a 3 paires dedans, donc ça c'est génial. Je trouvais que c'était un peu cher pour juste 2 petits trucs, mais finalement, s'il y en a 3, c'est rentable. Il y en a plus, tout est out of stock, je suis bien contente. Heureusement que je les ai commandés direct. Bref, bon, j'allais me refaire un café, faire pipi encore, j'arrête pas avec tout le café que je me bois depuis ce matin. Voilà, puis laver mes pinceaux en attendant le facteur. Et je vais probablement jouer un peu, puisque je n'ai pas joué hier. Donc, j'ai pas fait mes quêtes d'Halloween. Je regarde, non, ça n'a toujours pas bougé. J'attends de voir aussi si j'ai mon deuxième colis de poudre, du haut de poudre, là, qui arrive chez, Mondial Relais, puisque j'en ai un qui est arrivé, mais je vais attendre que les deux soient arrivés pour faire courir Chéri. Je vais pas le faire courir si l'autre arrive pas aujourd'hui, il ira demain sinon. Sinon, ce sera aujourd'hui ou demain. Donc, voilà, voilà. Sinon, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Je vous ai montré. Ah, il faut que je vous montre en haut. J'ai mis le cadre Bambi que j'avais ici avant, que ma nièce m'avait fait. J'ai épuré un peu la déco. Mais je trouvais que le cadre rose, maintenant, devenait trop gros. Il prenait trop de place. Donc, j'ai mis celui-là. Et après, en été, printemps-été, je mettrai le cadre avec les papillons là, de nymphes. Maryse est en train de m'en faire un avec un cerf. Je verrai si je le mets en fond.
vidéo ou si je me le tape ici. Mais bon, de toute façon, il lui faut du temps. Je lui ai demandé combien de temps elle faisait, elle mettait pour faire un tableau. Elle met à peu près un mois en passant presque 7 heures par jour dessus, quoi. C'est énorme, énorme. Et elle veut pas que je lui paye, elle m'énerve. Voilà. Donc j'ai hâte de les recevoir pour vous les montrer. Elle fait un portrait aussi. Là, elle m'a dit, je vais bientôt avoir fini ton portrait. C'est trop mignon. J'ai trop hâte. Bref. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Je pense qu'on fera les soins demain. Ou peut-être cet après-midi, je sais pas. Mais alors, il faudra que je vous prenne en haut parce que en bas, Georges va être en train de jouer, donc il va foutre le bordel. On verra. On verra déjà quand est-ce que si le facteur passe, s'il m'amène ma palette ou pas, si je tourne la cuine des USA ou pas. Après la sieste aussi, parce qu'il va falloir que je dorme, forcément, vu qu'en étant là à 6h, en allant se coucher à 1h au matin, ça fait un peu peur encore. Non, minuit, j'ai été me coucher à minuit. Bref. Allez, quoi qu'il en soit, on switch le moment ou du jour. Il est 20h, je vais vous les montrer un peu, tant qu'ils sont actifs, parce qu'on vient de nettoyer la cage, donc comme ça, pour une fois, vous ne verrez pas les petites crottes. Voilà, on vient de changer le panier là, on a mis en osier, et du coup, mes mères Luna, elle est en train de le bouffer. Bon, il y a déjà des petites crottes. Ils viennent de rentrer. Hein. On les a fait sortir. On les a fait rentrer, sortir plus tôt pour nettoyer la cage et rentrer un peu plus tôt. Mon petit bébé Gougou. Voici à maman. Oh, oui, c'est tes petits bébés, c'est à maman. Je te donne rien. Regarde, là, t'as ta rose, là. Mange la rose. Non, mais j'ai rien. Je te jure que j'ai rien. J'ai rien à manger, mon Gougou. Voilà. Tu viens dire bonjour les gens. Oh, dis bonjour à monsieur Maël ou sinon il va râler. Queenie, bonjour ma mère Queenie. Non, non, tu sors pas. Et voilà, donc là ils vont foutre le bordel, hein, comme d'hab. Et j'aurais mis ça comme jouet aussi, et donc ils vont grignoter ça toute la nuit, puisque les chinchillas s'ennuient très vite. Il faut leur changer souvent leur truc de place pour pas qu'ils s'ennuient dans la cage. Et voilà, Queenie a déjà envie de ressortir. Et voilà, bon, du coup, on se retrouve demain, nous, avant que Queenie se sauve. Tu dis bonjour les gens? Tu dis bonjour les gens? Bonjour les gens. Bien sûr, j'ai plus beaucoup de batterie. Alors attendez, je zoome un peu, comme ça vous voyez pas mon miroir ni le bordel, comme d'hab. Donc il est 8h tout pile, je viens d'actualiser encore une fois mon suivi Gliston, ça ne bouge pas. D'ailleurs, celui de Jessica ne bouge pas non plus, donc c'est un peu bizarre. Je vais attendre 8h30, on va voir. J'aimerais bien recevoir ma palette, je sais pas quand est-ce que je vais la recevoir. J'espère qu'elle va pas rester bloquée aux douanes jusqu'à pas d'heure, parce que, enfin, jusqu'à je sais pas quand, parce que j'ai prévu la vidéo pour samedi, moi. Bref. Donc là, il est donc 8h, comme je vous l'ai dit, et on va attaquer les soins. Donc là, j'ai épilé mes sourcils. Oui, oui, je suis très motivée le matin. En même temps, ça fait plus d'une heure que je suis levée déjà. Et j'ai donné un coup de coton avec de l'eau de rose, tout simplement. J'ai oublié un produit indispensable pour le gommage. Mais non. Donc ça, j'ai foutu mon spray. Attendez, je cherche mes affaires, je pompe tout. Que j'ai foutu mon spray pendant... Ah bah non, je l'ai déjà sorti. Oh. Je suis motivée, mais... pas très réveillée. Mon suivi ne s'actualise pas. Après, il faudra que j'allume le chauffage parce que j'ai trop froid. Donc, je vous fais le début parce qu'il y a plus d'explications que pour la pose des masques. Mais après, il faut que j'allume le chauffage. J'ai beaucoup trop froid. Ah, mais je crois que je dois l'aspirer aussi. Oh, je ferai ça tant que le masque il pose, alors. Alors, on va commencer donc par le gommage au café de chez Essence, donc c'est une poudre libre tout simplement, et je l'ai déjà testé une fois. Eux, ils disent de mettre un peu de poudre dans votre main, un peu d'eau, et de masser la pâte, sauf qu'il faut énormément d'eau, donc je vais tester autrement avec vous. Je vais prendre l'eau de rose tout simplement, puisque le spray, je ne vous le conseille pas, ça m'a fait voler la poudre partout la dernière fois. Donc voilà, ça se présente comme ça, comme une poudre libre en fait. Attendez, je me redresse un peu parce que je me tasse, hein. Ça sent tellement bon le café. Donc j'en mets quand même assez bien. Je trouve que c'est ça qui est dommage, c'est qu'il en faut un peu beaucoup. Je ne sais pas si vous allez voir. Et je vais mettre de l'eau de rose avec.
Je frotte dans mes mains pour faire une espèce de pâte et j'en fous absolument partout. Et on étale ça. Et là, c'est trop mouillé maintenant. On sent pas les petites... Oh là là, c'est un carnage. Attendez, je prends un bouchon papier. On sent pas les petits grains. Donc, je vais reprendre de la poudre. Mais c'est pas le meilleur truc au monde. Hein. C'est pas hyper pratique. Voilà. Mais ça gomme bien. Donc là, je gomme partout où j'ai besoin. Hein. Mouvement circulaire. Je crois que vous savez faire un gommage quand même. Vous n'êtes pas débile. Et on frotte. Et on frotte. Et ça fait du bien. Donc j'assiste ici parce que j'ai un peu plus de port apparent en ce moment. Ici, et là c'est déjà sec, donc ce que je fais, je redonne un coup de spray d'eau, c'est de l'eau, hein. De l'eau déminéralisée, mais de l'eau, c'est ce que j'utilise pour mouiller mon savon pour mes orsailles. Et voilà, bah écoutez, je rachèterai pas un backup, c'est trop chiant à utiliser. C'est agréable, ça gomme bien, mais peut-être sous la douche, faudra que je le teste sous la douche, tiens. Je vais le mettre sous ma douche. De toute façon, j'ai fini le gommage que j'avais en haut. Après, quand je fais ici en bas, j'utilise le... celui à l'ananas de Révolution, là-haut, à l'enzyme. J'aime beaucoup celui-là. Donc ensuite, ils disent de rincer à l'eau froide. Moi, je vais redonner un coup de coton avec de l'eau de rose, tout simplement. Comme ça, ça regomme encore un peu. Toujours avec mes fidèles cotons. Je vais faire suite d'Élise. Par contre, j'en ai plein entre les doigts. C'est vraiment pas pratique à utiliser. Je me demande même si ça serait pas mieux, déjà sous la douche, comme je vous l'ai dit, mais d'humidifier votre visage et seulement de mettre la poudre par-dessus après. On va passer au gommage des lèvres avec toujours la même gamme, hein, au café de chez Essence. Donc c'est un rouge à lèvres, enfin format raisin. Donc là, je vais vous montrer aussi ce que je fais. Parce que je trouve que les grains, on les sent pas beaucoup non plus, ça fait pas un énorme gommage. Donc je tartine avec des petits mouvements circulaires aussi parce qu'il y a quand même un petit peu de grain dedans et du coup je reprends ma poudre gommante, j'en prends un peu sur mon doigt et je frotte avec ça, dehors j'applique et je gomme avec ça et ça va d'enfer. Au moins, on sent les grains, parce que sinon, il n'y a pas de grains, il n'y a pas énormément de grains dans le rouge à lèvres. Alors, le sang des lèvres. Voilà, on essuie. Ouais, ça gomme quand même, hein. ça gomme bien comme ça. Mais tout seul, je trouve qu'il n'est pas assez efficace. Donc, on mettra du baume à lèvres après. On va ensuite tester le spray. Donc là, c'est Manon qui me l'a donné, hein. Je ne l'ai pas acheté. Un camion. Alors, je viens de dire ce qui était écrit derrière. C'est... Ils disent d'éviter les yeux. Mais bon, on va en foutre sur les yeux quand même. Ah oui, ça sent fort le macchiato. Ils disent hein, que ça sent le macchiato caramel. Vous avez raison. Et ça sent fort le caramel. Donc je comprends que Manon, elle aime pas. Parce qu'elle aime pas toutes les odeurs sucrées. On va attendre deux petites minutes que ça sèche. Pendant ce temps-là, je vais actualiser mon suivi. Après, il faut que je fasse mes ventes vintage aussi. Mes deux suivis.
n'y a rien qui bouge, il n'y a rien. Alors, je vais déjà mettre un petit coup de baume à lèvres. Donc, c'est toujours de chez Essence. C'était Emile qui nous l'avait offert dans le dernier soir. C'est une huile à lèvres. Hein. C'est un gloss, tout simplement, mais très hydratant. Avec des petites paillettes. Mais je l'aime beaucoup. D'ailleurs, ça se voit. Je suis presque au bout. Je vous rappelle que tout ce qui a été gommé doit être hydraté, gommé ou rasé. Donc après, il faudra que je mette un petit peu de soin sur mes sourcils aussi. Enfin, ici en dessous, parce que j'ai rasé. Alors, on va faire les masques bébé Yoda. On va commencer par le patch pour les yeux. Est-ce qu'ils disent combien de temps il faut le poser? Certainement, mais j'ai pas lu. Cette mignonitude, oh, c'est trop mignon. Donc parfum noix de coco, masque tissu, ok, je veux juste savoir combien de temps je dois le laisser poser. Je cherche le franquet, hein, comme d'hab, mais je ne trouve pas le franquet. C'est pas écrit en franquet? C'est écrit dans toutes les langues, sauf en franquet? Pourtant, à l'avant, c'est écrit en franquet, hein. Leave for 15 minutes. Moi et mon anglais. Donc on va l'ouvrir. Il y a un système de zipette. Puisqu'il y a trois patchs, enfin trois paires de patchs dedans. Donc ça c'est bien. Franchement, je suis agréablement surprise qu'on ait trois. C'est très rare. C'est presque toujours des individuels. Je vais sortir. Il y a trop de produits, alors ça glisse. Je suis en train de me battre avec. Donc vous avez les trois paires sur la même feuille, hein, mais voilà, on s'en fout un peu. Ils sont rikiki par contre. Hein. Je l'ai pensé un peu plus gros que ça quand même. Mais c'est bébé Yoda. Alors. Hop. Ouais, bon, après c'est gadget, hein. Parce que ça va pas, ça fait pas tout le tour, enfin vraiment la forme. Mais bon, c'est bébé Yoda. Donc, je tapote un peu le masque pour qu'il tienne bien et j'en fous en même temps sur mes paupières et sous mon sourcil, comme ça. Ça fait effet en même temps. Bon, c'est vraiment, vraiment gadget. Hein. Ça n'a pas la même forme d'habitude de lune, comme ça. Ça va hydrater. Oh oui, ça sent la noix de coco. Hein. Ça sent bien, si vous n'aimez pas le parfum de noix de coco. Par contre, c'est extrêmement chiant. Et donc, je laisse poser ça 15 minutes. Je vais remettre mes lunettes par-dessus. Hein. Je vais aspirer mon poil pendant ce temps-là. Et je reviens. Voilà, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'ils tiennent bien en dessous des yeux. Vous savez, ceux en gel, souvent, ils glissent là. Et franchement, ils tiennent bien. Et ils hydratent bien. Je sens que c'est hydraté. Voilà, on va passer au cheat mask visage. Donc là, j'en ai pris qu'un. Hein, c'était juste vraiment pour le délire. Mon suivi s'est actualisé. Donc, je le reçois aujourd'hui. Ainsi que le rouge à lèvres melted que j'ai commandé, que j'ai racheté à Jessica. Donc... je vais attendre, là je vais laisser poser le masque, je vous reprends pas tout de suite, hein, parce que c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et comme ça, je laisse poser le masque, je fais, après j'attends une trentaine de minutes avant de me maquiller. Évitez de vous maquiller directement sur vos soins, si jamais, sauf si vous n'avez pas le temps, forcément quand on travaille c'est plus délicat. Moi j'avais la chance de pouvoir me maquiller directement au boulot, donc je faisais mes soins avant de partir et je me maquille au boulot. Avec les produits du boulot, mais voilà, comme ça j'ai le temps de laisser poser le masque, de laisser pénétrer le produit et ensuite je ferai mon teint en attendant le facteur, comme ça je peux aller filmer. Oh, il sent super fort la coco, hein. Amy, à chaque fois je pense à toi. Attendez, parce que je vais que je le mette dans le bon sens quand même, je crois que j'ai le côté le plus...
colorées. Alors moi j'ai toujours un problème autour de la bouche, ça tient jamais très bien. Enfin moi de toute façon j'ai pas une tête pour les masques, hein. Enfin un visage pour les masques. Je crois que ils sont jamais très lisses chez moi. Même si j'essaye de m'appliquer à les mettre, c'est jamais très lisse. Bon après ça ressemble pas du tout à Baby Yoda une fois qu'il est appliqué sur la tronche. Hein. Voilà. En tout cas il a l'air super super hydratant. Et il est déjà très frais quand on le pose, on sent que c'est très frais. Voilà. Bon, ça fait pas du tout bébé Yoda, hein, mais voilà, c'était pour le fun. Hop là. Donc voilà, je vais faire ce que j'ai à faire. Alors attendez, je vais essayer mon... Je vais faire ce que j'ai à faire en attendant le facteur et je vous reprends pour vous montrer. On va swatcher ensemble le rouge à lèvres que j'ai racheté à Jessica et on déballera la palette ensemble. Et puis après, j'irai filmer parce que je dois faire tous les swatchs des 15 hydraliners en sachant que j'ai des splits dedans. Donc ça m'en fait un double et faire un make-up. Donc voilà, vous avez vu hier soir, je vous ai montré un peu les chichous. Là, ils dorment, tiens, étonnamment, d'habitude, ils dorment pas à cette heure-ci. Et voilà. Donc je vais laisser poser ça, décidément. Combien de temps ils disent. Alors attendez, vous allez voir Baby Yoda avec des lunettes. Hop là. Bon, sinon, je vois que j'ai obligé de les remettre. Combien de temps ils disent de laisser poser. En principe c'est 10-20 minutes mais là j'arrive pas à lire. Ah 10-12 minutes donc ok. Oh. Donc je laisse poser ça, après j'attends que ça pénètre pendant au moins une demi-heure et je ferai mon teint pour aller filmer. J'avais préparé mes pinceaux liner en haut parce qu'il va m'en falloir un paquet. Voilà, allez. À tout à l'heure. Alors, il est 10h28 et je viens de recevoir mes deux colis. Oh, j'ai une tête. Je vais me préparer maintenant tout doucement pour aller faire ma vidéo Glisten. Je vais vous montrer la palette après. Donc, j'ai reçu le petit colis de la part de Jessica. Alors, elle m'a mis plein de petits échantillons et un petit cadeau. Je suis un peu deck parce que c'est des couches d'oreilles que j'en mets pas. Mais voilà, je vais vous montrer. Donc, elle m'a mis des petits échantillons que moi, je mettrai dans les ventes Vinted puisque j'utilise pas d'échantillons. Voilà. Mais le size up, c'est intéressant pour celle qui l'aura. Le rituel, j'aime beaucoup aussi. Et l'highlighter Nars. Voilà. Et le petit cadeau qu'elle m'a mis. Alors, le pochon, par contre, je vais le garder. Les boucles d'oreilles, je vais les donner. Non, je vais les mettre de côté pour un concours. Bon, voilà. Pour le concours des 10 ans. Parce qu'elles sont magnifiques, hein, mais moi je mets pas de boucle d'oreille. Je mets pas de boucle d'oreille. Voilà, tout simplement. Regardez comme elles sont belles. Celle qui les fait. Hein. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos de sa page Instagram, de son compte Instagram de création. Pour que vous puissiez aller voir. Elles sont magnifiques, hein, franchement. Mais moi j'en mets pas quoi. C'est un peu. C'est dommage. Mes trous doivent être bouchés parce que j'ai pas mis de boucle d'oreille depuis des années. Par contre, le petit pochon, j'adore. Il est trop beau. Avec des petits papillons. Voilà, voilà. Donc ça, je vous le mettrai de côté pour un concours. Enfin, pour le concours des 10 ans. Et donc moi, je vais racheter le Melted ici. Cinnamon Beer, je crois que c'est. Oui, c'est ça. Avec les petits nounours, c'est un bonbon. Mais il faut que ça du même. Et on va donc swatcher ça. Alors je vais le sentir. Ah, ils sont bons aussi. Oh, mon Dieu, qu'il est beau. Donc je vais racheter 5 euros et il est 9. Hein. Oh, mon Dieu, qu'il est beau. Alors si ça, c'est pas du Bordeaux. J'adore. Bon, je pourrais pas le tester avec le make-up que je vais faire aujourd'hui, mais on va tester ça rapidement dans une vidéo. Donc merci Jessica pour les petites attentions, c'est adorable. Et j'ai reçu ma palette Glisten. Alors, Glisten,
je vous ai dit que j'avais le lien d'affilié. Finalement, je ne l'ai pas. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je retourne sur mon programme d'affiliation, il me marque que je n'ai pas de compte. Donc, il faut que je les contacte et tout. Écoutez, tant pis pour le lien d'affiliation. De toute façon, vous les avez sur BeautyBee. Là, je vous mets le lien d'affiliation. Vous avez tous les monos ou les petites palettes rondes ou rectangulaires et tout ça. Il y a juste la customisation des palettes que vous n'avez pas. Mais voilà, si ça ne vous intéresse pas, le site, vaut mieux commander sur BeautyBee de toute façon. Donc voilà. Là, j'ai des liners colorés. La palette est très jolie aussi. Hein. Donc vous avez une protection en plastique collée. Je vais la laisser pour ne pas salir le dessus. Voilà. Et donc là, j'ai pris une 15 avec les réductions, ça m'est revenu à peu près à 70 €. Donc là, je vous la montre à l'envers. Je sais pas pourquoi je vous la montre à l'envers. Donc j'ai mis tous les splits en premier, puis après des couleurs un peu plus qui m'intéressaient un peu plus, dont ce turquoise, les deux verts ici, un gris mat et un gris argenté. Ah non, c'est même pas un gris argenté. Ici, je pensais que c'était plus bordeaux, mais c'est pas vraiment bordeaux. Mais celui-ci, en mélangeant les deux teintes ici, je pense que je peux arriver sur un beau bordeaux. Celui-ci, c'est un bordeaux, je pense. Après, les swatchs, ils s'éclaircissent un peu, hein, toujours. Hein. Donc voilà, bien sûr, il y a du kaki. Celui-là, vous verrez. C'est deux kakis différents. Il y en a un qui est un peu plus foncé, l'autre est un peu plus vert. Et j'ai pris trois métallisés ici en dessous. Donc deux verts et celui-ci qui est, je ne sais pas. On verra ça au swatch. Donc moi, je vais aller tester ça. J'ai trop hâte. Ici, j'ai pris parce qu'il y a un bleu canard avec. Vous pouvez acheter les pannes tout seul, hein, si il y a juste le kaki ou bleu canard qui vous intéresse. Mais voilà. Et vous avez le système de split aussi en petit godet individuel. Voilà. Et ce qui est génial avec eux, c'est que les pas en panne comme ça, hein, mais si vous achetez en mono, vous pouvez acheter soit en 3 grammes, soit en 10 grammes. Donc, c'est pas mal non plus. Le kaki que je veux, le nouveau qu'ils ont sorti, c'est le T-Rex. Et je pense que je vais me le prendre directement en 10 grammes. Et voilà, ils mettent une petite carte. Et je sais même pas si c'est un autocollant. Je pense que ouais, ça doit être un autocollant. Tout simplement. Pro Palette 15. Par contre, ce qui est hyper chiant, c'est qu'ils notent pas les teintes. Ni derrière, ni en dessous des pannes. Donc, je saurais pas vous donner. Donc, vous pouvez les changer après. Hein. Mais c'est noté nulle part. Vous voyez, c'est pas noté sur le pan, c'est pas noté dans la palette non plus. Donc je pense que je vais essayer de les retrouver et de me faire un petit pense-bête ou je sais pas. Je sais que celui-ci c'est le moss. C'est celui-ci ? Non, c'est celui-ci, le moss. Voilà, ici c'est camo, ça je sais. Il y en a un, c'est gâteau, je crois. Ici, c'est le Montserrat, je crois. Enfin, je ne sais plus les teintes comme ça de mémoire. Ici, c'est le Shade. Puisque j'ai pris parce que. Il y avait celui-là ou le Smoke qui est un peu plus foncé. Mais celui-ci, ça me faisait penser aux 50 nuances degrés. Donc, j'ai pris celui-là. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Moi, j'ai fait toutes mes ventes Vinted là en attendant. Maintenant, je vais faire mon teint. Refaire les ventes Vinted qui m'ont supprimé. Mais je vais attendre quelques jours là parce que ça me saoule. Et j'ai hâte de tester celui-là aussi. Chérie va aller me chercher, j'ai mon deuxième lot de poudre qui est arrivé au Mondial Relais, donc il va aller me chercher en rentrant du travail. Et je vous montrerai seulement, enfin, de toute façon vous savez ce que c'est, mais voilà. Bref, bon, allez, je vais ranger mon petit bordel, me faire de la place pour faire mon teint, et je vais faire mon teint, tout simplement. Je pense que je vais regarder le film de Noël. Hier, j'ai oublié de les enregistrer, bordel. Mon homme, il rentre, il me dit, t'as pensé à enregistrer tes films de Noël ? Ah, non, j'ai oublié. Donc là, j'ai mis enregistré toute la semaine, puisque Georges est là toute la semaine, donc c'est lui qui squatte la télé aux heures des films de Noël. Je peux vous spoiler, puisque la vidéo est sortie hier sur les Glisten, là, je viens de tester. J'adore. Je fais mon petit ménage en même temps. Il faut que je lime mon ongle, là. J'ai accroché mon ongle quelque part. Je vais aller manger. J'ai faim. Quelle heure il est, là ? Ah oui, il est 13 h. C'est l'heure de la sieste. J'ai traîné ce matin. Beaucoup traîné. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vais ranger mon petit portel. Je voulais juste vous dire à quel point j'ai adoré. Enfin, voilà. Je vous mets la vidéo, de toute façon, en barre d'infos. De toute façon, c'est celle d'hier pour vous.
Coup de cœur. Coup de cœur. Oh my god. Hein? Bref. Bon, je vais aller manger un bout et faire ma petite sieste. Mamie est fatiguée. Voilà, donc du coup, maintenant, on switch de jour. Donc oui, il y a le poêle qui est allumé. Là, il est 9h26. Je suis réveillée depuis 8h. Ouais, 8h, j'ai fait une grasse mat, les gars. Aujourd'hui, je m'octroie une journée glandouille. Voilà, j'aimerais bien avancer sur mon planning de novembre pour pouvoir attaquer le planning de décembre, faire le fond et tout ça, mais aujourd'hui, je vais glander. J'ai envie de filmer, mais je vais essayer de me retenir. Par contre, j'ai du boulot parce que j'ai. Attendez-vous, le vlog il sort là le 7 pour la semaine du 15. Donc le 17, c'est une palette 3 looks avec la Martine Cosmétique que vous m'avez demandé. Et le 19, je vous mets une nouvelle vidéo des liners. Donc là, ça me fait 8 make-up à tourner. Mais bon, ça va parce que pour la semaine prochaine, enfin celle qui vient pour vous. Il me reste celle du vendredi et du samedi à tourner. Le samedi, il y a deux make-up. Bah, je vais vous donner le planning, tiens, tant qu'on y est. Alors, en sachant que ça risque de changer, sauf celle du mercredi et du vendredi. Et du mardi aussi, parce que celle-là, je l'ai programmée avant. Puisque j'ai fait une commande à cause d'Emmy, Shein. Voilà, bon, il n'y a que 4 produits, mais je vais quand même vous tourner le haul avec le try-on. Je sais que vous aimez beaucoup ça. Et voilà, tout simplement, il n'y a que 4 articles, hein, mais forcément, j'en ai déjà pour 55 balles avec la réduction. Je ne peux pas non plus commander des dizaines d'articles pour faire un big haul. Mais comme ça, on verra ensemble, on pourra essayer ensemble et tout ça. Donc ça, je vous mettrai quand j'aurai reçu ma commande. J'ai commandé quand la vidéo d'Amy est sortie. J'ai commandé une veste à carreaux à cause d'elle. Voilà. J'avais mis un pull. J'avais déjà mon panier qui était prêt. En fait, j'attendais pour commander. J'avais mis un pull chocolat, couleur chocolat. Je pense que je me le recommanderai plus tard. Peut-être pour le Black Friday. Que je trouvais trop beau la teinte chocolat. Comme ça, elle était magnifique. Et j'ai pas de pull dans ces teintes-là. Mais du coup, je l'ai enlevé pour mettre la veste à carreaux. Voilà. Mais, enfin, vous verrez bien. Je vous filmerai le haul. Donc, ça sera. Quand j'aurai reçu la commande, je sais pas, ça peut très bien être décalé à la semaine d'après. Mais bon, je vous donne grosso merdo comme ça le planning. Donc lundi, j'ai programmé le swatch and make-up de la Equalizer 2 de Sample Beauty. Mardi, un full face avec mon make-up le plus cher. Mercredi, la Queen of the World des USA. J'ai programmé le haul Shein pour jeudi. Normalement, ça devrait être bon puisqu'Emir reçoit ses colis en une semaine en espérant que moi, j'ai pas de soucis. Donc comme ça m'éviterait de changer le planning. Vendredi, full face avec le make-up le moins cher, c'est celle que je dois tourner. Et le swatch et le make-up pour samedi de Colourpop. Donc là, je vais faire les deux d'un coup. Je vais faire la grandeur et la baroque, vu que c'est la même collection. Comme ça me fait deux palettes en moins à faire de ce que Maryse m'a envoyé. Donc là, vous aurez les deux make-up, quoi. Et dimanche, le vlog. Et pour le lundi, si j'arrive, je vais essayer de vous tourner le Get Ready With Me pour la soirée du boulot, puisque samedi 13, là, on a la soirée du boulot de monsieur. Et comme il y a une star qui vient, donc je vais vous filmer mon make-up, voilà comment je me prépare et tout ça, ma tenue, et j'essaierai de filmer un peu sur la soirée. Ça sera peut-être en musique, ça sera peut-être pas en parler, puisqu'il risque d'y avoir beaucoup de bruit, beaucoup de monde notamment. Mais comme ça, on va voir qui est la star qui vient. J'ai vraiment hâte de savoir. Donc, si j'arrive, je vous posterai ça lundi, le lundi d'après en bonus. Sinon, si c'est pas intéressant, je la posterai pas, quoi. Je verrai bien. Et la semaine d'après, bon, je vous donne le reste du planning. Il n'y a que pour le vendredi 26 que je ne sais pas quoi mettre encore. Ce sera certainement un swatch and make-up. Donc pour le 15, la soirée du boulot, si j'arrive à vous la poster. Le 17, une palette 3 looks avec la Martine. Le 19, mes abonnés dessinement de liner 3. Le samedi 20, on fait le live pour mettre la déco de Noël. En fond de vidéo, le vlog, une pub,
J'en ai marre de ces pop-up là. Et donc, la semaine d'après, pour le 24, c'est le Disney Challenge des héroïnes. On nous avait demandé de faire les héroïnes. Et du coup, on va le faire sur le thème des Eternals, puisque ça sort courant novembre, là. Donc, on va vous faire ça. Voilà, moi, j'ai choisi mon héroïne. On a chacune choisi. Hein. Voilà, je ne sais pas ce que les filles ont choisi encore. Moi, j'ai choisi ça. Et pour le 26, jour du Black Friday... je ne sais pas. Par contre, faudra. Oui, si j'ai le haul, il faudrait que je vous mette ça. Faudrait que je vous programme ça en décembre. Quand est-ce que je les aurai reçus? Donc ça me fait un trou dans. Ça fait que j'ai une vidéo en trop du coup dans mon planning. D'ailleurs, toi, t'as rien à foutre là. Je verrai bien. Il faudra peut-être que j'enlève une vidéo pour vous mettre celle-là à la place. Suivant ce que j'aurais commandé, hein, parce que je suis même pas sûre de commander beaucoup. Voilà. On verra bien. Mais voilà. Les deux semaines. Donc là, on est le 7. Vous avez encore une semaine complète de vidéos. Et ensuite, on repasse à 2-3 vidéos par semaine. 4 avec le vlog. Et ensuite, c'est le calendrier de l'avant. Parce qu'il faut que je m'active pour. J'ai déjà tourné le swap. C'est la première vidéo du truc. Il n'y aura pas le fond. Mais j'ai déjà tourné le swap. D'ailleurs, je vais monter, je pense, aujourd'hui. Comme j'ai fait mes intros. Oui, j'ai passé ma soirée. J'ai changé mon intro, d'ailleurs, de mes vidéos et de mes vlogs. Et j'ai fait celle de Noël aussi. J'ai fait celle de Manon aussi, comme à chaque fois. Voilà. Et du coup, je pense que je vais monter le swap aujourd'hui. Comme ça, je peux déjà la programmer. Et mes rushs ne traînent pas dans mon PC parce que j'ai horreur de ça. Et là, je suis en train de regarder depuis hier soir. Je vais remettre ça, sinon vous ne voyez pas bien. Nos swaps avec les filles. Voilà, puisque je dois attendre moi aussi le 1er décembre pour revoir le swap qu'on vient de faire. Donc du coup, je suis en train de regarder nos anciens swaps. Voilà. elle me manque déjà, donc comme ça je les regarde. Et puis c'est agréable à regarder. Voilà. Bah écoutez, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Ouais, je vais vraiment m'octroyer une journée glandouille. Je pense que ça fait pas de mal de temps en temps aussi. Faut que je joue un peu aussi. Ça fait 3-4 jours que j'ai pas joué. Hier, j'ai juste allumé pour faire la mise à jour et mes quêtes d'Halloween. Donc voilà, j'aimerais bien jouer un petit peu aussi, avancer dans mes quêtes. Débloquer des zones et tout ça. Parce que j'ai, en fait, il y a des quêtes pour débloquer les zones et tout ça. C'est des quêtes... C'est un suivi de quêtes, mais des fois, au bout d'un certain temps que vous avez fait 3-4 quêtes, par exemple, il faut attendre le lendemain pour avoir la suite. Voilà, donc là, ça fait 3 jours que je suis bloqué, donc ça me prend 3 jours de retard sur le développement de la map, quoi. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Ouais, voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Donc ouais, j'ai fait la commande Shein. C'est à cause d'Emmy. Hein. Ah oui, et j'attends demain avec impatience. Demain, il y a le nouveau film de Noël sur Netflix qui sort avec Nina Dobrev. Donc voilà, demain je regarderai ça. Ah, j'ai des films de Noël à regarder aussi. Je peux pas tout regarder en même temps. Je ne sais pas. Il faudrait vraiment que je me décide à regarder mes films de Noël quand même. Parce que sinon, j'aurais plus de place sur le décodeur dans tous les enregistrements. Hein. Bref. De toute façon, la semaine prochaine, je suis tranquille. Ça m'a pas école la semaine prochaine, jeudi et vendredi, puisque jeudi, c'est le 11 novembre, et le vendredi, ils font le pont. En fait, les profs sont en formation, donc comme ça, les élèves font le pont. Et bon, au moins, j'aurai 3 jours tranquille. Et voilà, après, je sais même plus c'est quand les congés scolaires. J'ai noté ou pas? Ah oui, oh, ça va, c'est fin décembre. Après Noël seulement, sans congé à partir du 24. Décembre. Donc j'aurai un mois et demi tranquille avant la 2 semaines de congé. Parce que là ils ont 2 semaines à Noël. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai remodifié un peu mon rangement en haut, mais je vous montrerai ça la semaine prochaine. Chaque fois que je parle, le chien va voir ce qui se passe. Et là, chérie, aujourd'hui, elle va me déposer. J'ai fait quelques ventes Vinted hier et il va chercher mes deux lots de poudre vu qu'il a pas su. Il fait beaucoup d'heures là en ce moment. Il y a un problème
Il doit régler des problèmes et tout. Du coup, il se retrouve au dépôt. Donc, il fait des heures à gogo. Là, je lui ai dit, essaye de finir plus tôt aujourd'hui pour aller chercher mes colis et chercher les chichous maintenant. Et déposer les miens, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, de toute façon, aujourd'hui, il va rien se passer d'intéressant. Donc, on switch le jour. Alors oui, je suis en train de nettoyer mes carreaux. Alors, il est 12h49. Je tourne tard en ce moment, hein. Ça se voit que c'est les congés scolaires, hein. En même temps, j'ai attendu toute la matinée que Georges parte travailler parce qu'il va aller travailler avec mon cousin. Et à 11h, j'ai été le réveiller. À 11h17, j'ai été réveillée. J'ai dit, tu pars pas avec Fabrice? Il m'a dit, ah ben non, finalement, il vient pas. J'ai dit, cool, moi, j'attends Peter pour aller filmer tranquille, que tu partes, pour pas devoir redescendre, fermer la porte et tout ça derrière lui. Ben finalement, j'aurais pu tourner beaucoup plus tôt. Mais bon, je me suis occupée hein, ce matin. Voilà. Déjà, j'ai regardé le swap à nouveau d'Emmy. Notre dernier swap que vous aurez le 1er décembre. Et voilà. J'ai fait une commande aussi. C'est pas bon quand je dois attendre. J'ai refait une commande Glisten. Voilà, tout simplement. Donc, je vous montrerai ça en vlog quand je l'aurai reçu. J'ai également modifié les heures de publication des vidéos. Je les ai mis à 17h30. On verra si ça booste un peu les vues, parce que là, en ce moment, les vues, c'est un peu du caca. Pas surtout, hein, heureusement, mais voilà. Je fais quand même beaucoup moins de vues qu'il y a quelques mois en arrière. Après, c'est normal, je sors beaucoup de vidéos, je sais. Et la fin d'année, c'est toujours moins de vues puisque c'est plus partagé, puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui en font. Voilà, tout simplement, surtout en décembre. Donc, je me suis dit, peut-être qu'en les postant à 17h30, pas en même temps que les grands de YouTubeuses, il y a peut-être plus de gens qui prendront le temps de les regarder avant, par exemple, ou après, je ne sais pas. Mais au moins, elles ne sortiront pas forcément en même temps et je passerai peut-être un peu moins à la trappe que quand elles sortent en même temps que tout le monde. Voilà, voilà, ce make-up, vous l'aurez dans la semaine. Et voilà, donc je vous ai dit pour les vidéos, je vous ai dit pour Glisten, j'ai reçu mes poudres sur Vinted. Donc, merci les filles, voilà, j'ai reçu mon backup. Merci, merci, il y a une abonnée dans le lot. Hein. Et elles m'ont chacune mis un petit cadeau. Alors, mon abonnée, je crois que c'est elle qui m'a mis ceci. Alors d'abord, je dis, mais elle m'a quand même pas envoyé un truc BK. Et donc, c'est clairement une copie, on va dire. C'est pas une contrefaçon parce que c'est pas marqué BK. Mais ça vient de Chine. C'est lui qui a mis, je crois. Il est très joli. C'est un petit champagne un peu blanc comme ça. Ah ben, vous savez quoi? On va le swatcher ici, je verrai mieux. Manque peut-être un peu de lumière, hein. Il ne fait pas beaucoup de loupiature. Il manque de pétouille. Bref, j'aurais bien. De toute façon, si je ne l'aime pas, je trouverais bien quelqu'un à qui le donner. Et dans l'autre, j'ai eu un petit baume à lèvres en forme de crayon. Oh, c'est trop mignon. Oui, il en faut peu, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Moi, je suis heureuse avec pas grand-chose. Voilà. Donc, je l'ai utilisé aujourd'hui pour me nettoyer les lèvres, puisque j'avais pas monté de trucs. Et ils sont la pêche. Donc, j'ai utilisé celui-là avant d'utiliser le Fenty que j'ai racheté à Amy. Et voilà. Maintenant, je dois ranger tout mon bordel. Ranger mon backup de poudre. Et voilà pour ça. Alors, ah oui, n'oubliez pas que c'est le dernier jour. Enfin, aujourd'hui et demain, je crois. Attendez, je vérifie. C'est jusqu'au 8, les parfums Nox. Dimanche, on sera le... Alors, attendez, samedi 6. Ouais, c'est jusque lundi. Inclus, je pense. J'ai oublié d'enregistrer le son tout le long. Ah non. J'ai peur. Et donc, voilà, vous avez jusque demain encore le bon et enfin le code promo là est valable et passe à 20% au lieu de 10% habituel. Voilà, voilà. Donc, comme ça, vous savez. Et si vous voulez en profiter, c'est le moment parce que c'est le dernier jour. Voilà, voilà. Ben, écoutez, moi, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je crois qu'il est déjà bien assez long de toute façon. Je vais aller manger un bout et dormir. Je suis crevée. En même temps, je me suis levée à 7h encore. Alors, je peux rester au pieu parce qu'il n'y a pas école. Et non, je me lève à 7h.
chercher l'erreur. J'attends que Manon upload son swap pour pouvoir regarder le sien aussi. Et après, ce soir, je me garde le film de Noël de Netflix pour ce soir. Je vais éplucher les patates aussi pour ce soir. Passionnant, ma vie. Elle est passionnante, ma vie. J'ai une vie de merde. Et ouais. Voilà, bon, je vais ranger mon bordel, ressortir un liner. Je fais ça tout de suite tant que j'y pense, de mon backup. Merde, je vois pas bien dedans. Attendez, en chipotant, je dois en trouver un. Ouais, magnifique. Puisque j'ai fini l'autre, qui va aller. Premier produit fini. Ce mascara-là, je l'ai testé encore sur cette vidéo-là. J'aime pas vraiment le rendu, donc je vais le mettre dans les lots vintage. Je le mettrai en cadeau quand quelqu'un achète plusieurs produits d'un coup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, on repasse. Attendez, oh, je ne sais plus ce que je raconte. Moi, je ne sais plus quel jour on est. Ce matin, Amy, elle m'envoie un message. Elle me dit, bon, on s'appelle. J'ai dit, ah ouais, ça peut se faire. Et puis après, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, merde, on est vendredi. C'est normal, on s'appelle tous les vendredis. Oh là là. Donc non, on se retrouve encore pour une semaine de vidéo. Et après, on repasse au planning normal. Voilà. Oh, mais j'appuie sur tout. Crevé. J'appuie sur tous mes trucs au lieu de mon truc d'enregistrement. J'ai tous mes programmes ouverts d'un coup là. Donc voilà, on se retrouve de toute façon donc demain, puisqu'on se retrouve encore une fois toute la semaine, mais à 17h30 pour tester. Ce sera pareil pour le calendrier de l'avant, je pense. On va déjà faire ça jusqu'à fin de l'année. On verra ce que ça donne, question vue. Et voilà. Donc moi, je vais aller manger, dormir. Et je pense que je vais faire ma colo aussi, parce que là, il serait peut-être temps que je la refasse. Hein. On ne sait pas, attendre encore une semaine. Ah bah non, samedi prochain, je suis pas là. Il faut que je la fasse absolument avant samedi. Et que j'ai le temps de me relaver les cheveux une fois entre temps pour pas que la couleur dégorge de trop. Ouais, je vais faire ça ce week-end, de toute façon. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera samedi ou dimanche, parce que là, on voit mes cheveux blancs. Bon, après, il y a un peu de poudre et de fond de teint poudre dedans, mais on voit mes racines. Ils ont déjà poussé, hein. Ils ont repris encore 1 cm là en 3 semaines. 1,5 cm même, chérie. Regardez ici. Regardez quand je fais ça. Bon, après, j'ai les cheveux plus clairs, hein, de base que le noir, mais quand même, il y a beaucoup de blanc, quoi. J'ai envie de dire, on va me prendre l'âge. Regardez là. Oh là là. Vous voyez? Je suis blanche. Oh là là, je me fais vieille. Oh là là. Donc, allez, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous.